J'ai mangé trop de biscuits de Noël. Ouf, ça va mieux. N'oublie pas de t'essuyer. Bof, on n'utilise jamais trop de papier toilette. Je dois m'assurer de tout avoir. Ah, bien propre. Mon travail ici est terminé. Adieu, caca. Est-ce que c'est censé se produire? Je vais faire comme si je n'avais rien vu. C'est incontrôlable. Père Noël, au secours. Oh, oh, oh. Je descends généralement par la cheminée. Burke, c'est une sacrée bûche de Noël. Tu as besoin de plus de fibres dans ton régime. Hein? Je n'ai pas besoin de ça. Ah, c'est ce que je cherche. Ça résoudra tous tes problèmes. Regarde ça. Je le place sur la cuvette. C'est alors que la magie opère. Je vais le presser rapidement et tout a disparu. Le Père Noël sauve encore la mise. Ok, je dois y aller. Père Noël, quitte la scène. Au revoir, Père Noël. Il sait que la porte est par là, pas vrai? Oh, presque. Ouf, j'en avais besoin. Voyons ce qu'il y a dans le sac du Père Noël. Ah ah, je pense à tout. Que se passe-t-il ici? Oh oh, j'ai toujours su que ça arriverait. Tu es en plein rêve, petite. Waouh, c'est le Père Noël. Maman, viens ici. Il faut que tu vois ça. Non, chut, tais-toi. Quoi? Oh, c'est vrai. Be quiet. Je suis désolée, je vais fermer la porte. C'est très palpitant. Le Père Noël utilise mes toilettes. Oh, attendez là. Je n'arrive jamais au lapin de Pâques. Attends, qu'est-ce que tu fais? Je dois faire mes besoins. Ok, ça devient bizarre. Alors, tu as été une bonne fille cette année? Waouh, vous êtes vraiment là? Je suis une grande fan. Ouais, c'est ce qu'on me dit tout le temps. Peut-être que si je l'ignore, elle partira. J'ai failli oublier. J'ai fait ça pour vous. Oh, c'est très gentil. Tu es définitivement sur la liste des gentils. Tu mérites un cadeau spécial pour ça. Voyons ce que j'ai. Minute. Tout va bien, Père Noël? Les cadeaux sont encore dans le traîneau. Il faudra s'en contenter. Place à la bonne vieille magie du Père Noël. Je vais couper une partie de la brosse. Ensuite, je la peindrai en vert. Je vais percer un trou dans un bloc de bois et j'y mettrai la brosse. Je vais l'entortiller. Il faut que ça tienne bien en place. Hé, petite! Attends, ça ne fera pas l'affaire. Ah, j'ai trouvé! J'utiliserai le nœud. Un arbre de Noël festif. Merci beaucoup. J'espérais une poupée. Oh non, elle a compris ce que je trame. Mais je l'adore. Un mini sapin de Noël. Waouh. Oh, ouf, quel soulagement. Vous êtes le meilleur Père Noël. Il s'en est fallu de peu. Maintenant, je peux terminer ce que j'ai commencé. Ha, ce jeu est génial. Ça fait passer le temps. Quelle soirée bien remplie. Hé, hey, tu permets? Je suis un peu occupée ici. Comment ça se passe? Bien, je suppose. C'est tellement gênant. J'ai livré tous les cadeaux. Attends, il y a quelque chose là-dedans. Qu'est-ce que c'est? Je ne me souviens pas de ça. Il faudra que je regarde de plus près. Intéressant. C'est un cadeau pour moi. Oh, les lutins pensent à tout. Même le Père Noël a besoin de s'amuser. Je vais l'essayer. Cible en vue. Prêt? Vise, tire! Aïe! Hé, hey, c'est quoi le problème? Ah ah, je l'ai eu! Je veux réessayer! Ne bouge pas! Père Noël, arrête! Je m'amuse comme un fou! Alors c'est comme ça, hein? On peut tous les deux jouer à ce jeu! Qu'est-ce que... Burke, c'est tout collant et visqueux! Tu es folle? Non, personne ne se frotte au lutin! Détends-toi! Ce n'est que de la pâte à tartiner au chocolat! Tu vois, pas de panique! Ha! Je t'ai eu! Ah, d'accord. C'est assez drôle. Tu as cru que c'était du caca? C'est assez délicieux. Cette BD est géniale. Je ne peux pas la lâcher. Mais j'ai tellement sommeil. Je vais peut-être me reposer les yeux. Anne, debout, debout. Bonjour, marmotte. J'ai un bonbon pour toi. Voilà. Oh, est-il passé? Attendez, qu'est-ce que vous faites? Waouh, c'était trop cool! Ouais, c'est un peu mon truc. J'envisage de devenir magicien professionnel. Oh, je n'ai plus de papier toilette. Tu quoi? Laisse-moi voir ça. Regarde. Plutôt sympa, non? Attends, j'ai une meilleure idée. Je pose le papier toilette sur la table et j'y colle des yeux en plastique. Puis un nez orange et doux. Maintenant, je vais lui donner des bois
c'est trop mignon. Ceci est pour toi, Meg. Il ressemble à un renne. Waouh, donnez-moi ça. C'est incroyable. Merci, Père Noël. Hein? C'était un rêve? Je m'amusais comme une folle. C'est tellement injuste. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas possible. C'est le papier toilette renne. Waouh, le Père Noël est le meilleur. Ah, j'ai bien dormi. Qu'est-ce que... C'est le Père Noël? Ou maman a encore des pellicules? Je dois mener l'enquête. Waouh, regarde ça! Je vais les suivre pour voir où elles mènent. J'étais sûre que ça marcherait. Et tout ça grâce à une couche. C'est un jeu d'enfant. Il suffit de retirer le matériau absorbant de la couche et de le mettre dans un récipient, puis d'ajouter de l'eau. Une petite quantité suffit. Ça devrait aller. Après ça, je mets la main à la pâte. Il faut décomposer le matériau. Pour ça, je le frictionne jusqu'à ce que ça ressemble à des flocons. Ensuite, je l'étale sur le sol. Et je laisse une empreinte en me servant de ma botte. Il fait froid dehors. On ferait mieux de se couvrir chaudement. Bonne idée, chérie. On va ajouter quelques couches. C'est agréable. Je crois qu'on est prête. Oula, qu'il fait froid. Choisissons un sapin de Noël. Oh, celui-ci est parfait. On l'emmène. Il sera impeccable pour la maison. Waouh, une seconde. Je peux savoir ce que vous faites. Vite, cours. Hé, revenez ici. Ouf, on est sauvés. C'était moins une. Mais on n'a toujours pas de sapin de Noël. Désolée, ma chérie. Il doit bien y avoir un moyen. Attends voir, j'ai une idée. Regarde, maman, je peux être un sapin. Qu'est-ce que t'en dis? C'est adorable, ma puce. Attends une seconde. Je crois que j'ai une idée. On n'a peut-être pas besoin d'un arbre de la forêt. On n'a qu'à fabriquer le nôtre. D'abord, j'ai besoin d'un gros morceau de carton que je vais recouvrir de papier vert. Ensuite, je vais dessiner une spirale sur la feuille. Je pars du centre et je m'en éloigne petit à petit. Ça devrait le faire. Après, je la découpe. À l'aide d'un crayon, je vais percer des trous dans le carton. Je perce dans quatre directions pour faire une croix. Ensuite, il me faut du fil de nylon. Je l'enfile dans le trou le plus extérieur, puis je continue en direction du centre. Je fais ça de chaque côté. Enfin, je m'assure que les fils ne partent pas en faisant un nœud. Je place le tout sur un poteau vert et je le déploie doucement jusqu'en bas. Après ça, je prends mon fidèle pistolet à colle. Je dépose un peu de colle sur le carton. Je continue sur toute la longueur de la spirale et je colle du feuillage par-dessus. Il faut faire vite avant que la colle ne sèche. C'est tellement beau! Comme pour tous les sapins, il lui faut une étoile. Et voilà! Waouh, je t'adore, maman! C'est exactement ce que je voulais. C'est très festif. Il faut que tout le monde sache que ces cookies sont pour le Père Noël. Comme ça, personne n'y touchera. J'espère qu'il va les aimer. On va mettre le mot juste ici. Bien, c'est l'heure d'aller au lit. Il faut faire un gros dodo. Un chocolat chaud et des cookies devant la télé. Qu'est-ce qui pourrait être plus chouette? Oh non, il n'y a plus de cookies. C'est pas possible. On doit bien y avoir quelques sucreries qui traînent. Ça fera l'affaire. Pas mal du tout. Ça doit être mon jour de chance. Je crois avoir entendu quelque chose. C'est le Père Noël? Oh non! Les cookies ont disparu! Ils étaient juste là, maman! Le Père Noël ne passe pas si tôt. Ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Je suis l'homme le plus heureux du monde. C'est lui! Voleur de cookies! Comment il a pu? Pourquoi il a fait ça? Oh oh! Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, tu veux un cookie, ma puce? Non, tu te moques de moi? D'accord, et toi, chérie? Cherche encore. Oh, je sais, un cracker. Tout le monde adore les crackers. J'en veux pas de tes crackers. Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Un cracker? Oh, c'est gentil, mais t'es pas très malin. Non. J'ai l'impression d'avoir manqué quelque chose. Le Père Noël va être fâché. Quoi, le Père Noël? Oh, c'était pour lui alors. Ce n'est rien, je vais arranger ça. Je vais mettre du glaçage sur les crackers. Le glaçage servira de colle. Ça maintiendra les crackers ensemble. Je les mets en forme de triangle. Ensuite, je les recouvre de glaçage. J'en mets bien des deux côtés. Ça me donne faim. Maintenant, j'ajoute des billes comestibles.
Ensuite, je vais ajouter du glaçage le long du bord extérieur des crackers. Je dépose doucement de petites décorations dessus. Enfin, je place un ourson à l'intérieur de la maison en crackers. Ça a l'air plutôt bien. Ils sont prêts pour le Père Noël. Je pense qu'il préférera ça aux cookies. J'ai envie de les goûter. Non, il faut que je résiste. On va les mettre là pour le Père Noël. Bonne idée, maman. Il n'y a plus qu'à attendre. Viens, allons-y. Oh, 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 voilà des gâteaux appétissants. Ah bah, les régimes. Regarde-moi ça. Les voisins installent des couronnes de Noël. C'est tellement joli. Je devrais mettre la nôtre. Voyons ce qu'on a. Ouh, qu'est-ce que ça brille. Mais pas de couronne. Piou, piou. Qu'est-ce que tu fais? Peu importe, retournons à nos décorations. Regarde, maman. Maman, maman, regarde-moi. C'est trop génial! Je crois que j'ai battu un nouveau record! Aïe! C'était quoi? Fais attention, chérie! Quoi? Oh, désolé! Une seconde! J'ai une idée! Naomi, chérie, donne-moi cette frite! Je savais que t'allais dire ça! C'est pile ce qu'il me faut! Il est temps de se mettre au travail! J'ai formé un cercle avec la frite et je l'ai attachée avec du ruban adhésif. Maintenant, je vais mettre un peu de colle sur cette boule et je vais la coller à la frite. Maintenant, je vais faire la même chose à l'extérieur. Je ne veux pas qu'il y ait de trous. Je vais placer ces grosses boules rouges au centre, puis je vais remplir les trous avec des boules dorées plus petites. Ensuite, je vais ajouter des pommes de pin. Ça sera encore plus festif. Et pourquoi pas un peu de feuillage et des guirlandes, bien sûr. Je pense que c'est bon. C'est parfait. Qu'est-ce que tu en dis? Il y a plein de décorations là-dedans. Regarde celle-ci. Elle est un peu basique. Non. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, ça c'est mieux. Je préfère largement. Génial, il y en a d'autres. Je vais toutes les prendre. Naomi, il faut encore des boules. Je les ai. Attention, il ne faut pas les renverser. J'arrive, maman. Oh! Ouch! Oh non, les boules. On ne peut pas mettre ça sur le sapin. Pardon, maman, j'ai gâché Noël. Ce n'est rien, ma chérie. On va voir ce qu'on a d'autre. Oh, il n'y a que ces boules transparentes. C'est tout? Oh, c'est pas grave. Super, en plus j'ai fait un trou dans ma chaussette. Quel enfer. Tu n'as rien vu, d'accord? Je crois que j'ai la solution. D'abord, je retire la tâche. Je glisse la boule dans la chaussette. Je la glisse bien jusqu'aux orteils. Encore un petit peu. Parfait. Maintenant, je prends une paire de ciseaux et je coupe la chaussette au-dessus de la boule. Ensuite, je prends mon pistolet à colle et je dépose de la colle sur le haut de la boule. Comme ça, il en faut beaucoup. Je peux maintenant replier la chaussette sur la boule. J'appuie bien pour être sûr que ça colle. Je ne veux pas d'espace ou de vide. Je vais pincer légèrement la chaussette. Puis, je remets la tâche en place. Et puis, j'ajoute la touche finale, un joli petit nœud. Elle est prête à être accrochée au sapin. C'est bien mieux qu'une boule transparente. Waouh, maman! C'est trop beau! Mais est-ce que tu as utilisé toutes mes chaussettes? Peut-être que le Père Noël t'en apportera des nouvelles. Il manque quelque chose à ce sapin. Quelques lumières festives. C'est magnifique! C'est la magie de Noël! Ça faisait longtemps que j'attendais ça. Un moment de détente avec une bonne tasse de thé. Rien ne saurait venir gâcher ça. Maman! Coucou! Qu'est-ce que tu fais? Tu es très jolie, ma chérie. Bon, où j'en étais? Wouhou! Regarde mes ailes! Tu les vois? Oui. J'aimerais bien boire mon thé. Est-ce que c'est trop demandé? Je suis une fée de Noël! Arrête d'agiter cette baguette devant mon nez! Je suis très sérieuse! D'accord, je vais essayer de voler à la place. Wouhou! J'y arrive presque. Tu veux bien arrêter? Tu ne peux pas t'asseoir tranquillement? C'est ennuyeux. Oui! Naomi? Ah, ça va. Je l'ai fait exprès. Une minute. Comment je vais faire pour voler avec une aile cassée? C'est horrible. C'est pas juste. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde mes ailes. Fais quelque chose, maman. Ne pleure pas, maman est là. D'abord, on va sécher ses larmes. Oh, j'ai plein de caca de nez. Tu n'étais pas obligée de voir ça. Une seconde. Ça me donne une idée. Avant tout, il me faut un cintre en fil de fer. Je place du scotch d'un côté à l'autre.
et je fais ça sur tout le cintre. Ensuite, je prends une serviette que je place sur le scotch. J'en ajoute d'autres. Il faut recouvrir la structure. Je répète l'opération avec un deuxième cintre. Je joins les deux cintres pour en faire des ailes. Elles sont trop belles, maman! Encore plus que ce que j'imaginais. Là, je vais m'envoler pour de vrai. Wouhou! Regarde l'affaire! J'ai la tête qui tourne! Je peux voir monter maintenant? La 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 la! C'est pour toi! Oh, un cadeau! J'espère que ça va te plaire. Dis donc, tu n'aurais pas dû. Attends, on va rajouter de l'animation. Déballe le cadeau en portant ça. Tu suis mignonne avec? C'est parti. Je n'ai aucune accroche. Oh, j'étais presque. C'est super frustrant. Allez, tu trouves ça marrant? J'espère que ce cadeau vaut le coup. J'adore, ta tête est trop drôle. Oh, quoi? Une autre paire de gants? Ça, tu vas me le payer. Nana, je suis arrivée en premier. T'es nulle. Hé hey. Tu l'as mérité. Prends ça. Hé hey. Pas dans la tête. Attention. Regarde ce que tu as fait. Tu ne sais vraiment pas viser. Je n'ai pas fait exprès. Hé hey. C'est quoi tout ce vacarme dehors? Ma couronne, elle est cassée. Oh, mon cœur, je me sens mal. Ça ne va pas du tout. Non, non, non. Il faut qu'on fasse quelque chose. Peut-être avec ce patin à glace. Oula, tu devrais te laver les pieds plus souvent. Mais ça me donne une idée. Prends ce patin à glace et insère le bonnet à l'intérieur. Ensuite, prends quelques branchages de sapin. C'est joli, mais il nous faut plus que ça. Voilà. Dis donc, c'est vraiment pas mal. Je m'impressionne moi-même. Je ne savais pas que tu étais si créatif. Il faut juste qu'on accroche ça sur la porte. Voilà. Hé, hey, c'est quoi ce vacarme dehors? Sale gosse. Il est énervé. J'étais sûre que ça allait marcher. Ma couronne, ça me fait chaud au cœur. C'est très joli. Hé, attendez un instant. Bataille de boules de neige. Je suis invincible. Il ne reste plus qu'à faire un nœud. Et terminé. Hé, Père Noël, regarde ça. C'est pas mal, non? Beau travail. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ouh, c'est joli, ça. Hop, dans la boîte. C'est beau, mais est-ce que ça résistera au test de la secousse? On va vérifier ça. C'est tout? Oh non! Ça ne va pas suffire. Cette boîte est trop grande. Prends ça et recommence. Une erreur de plus et ça va barder pour toi. Tout ça à cause de la boîte. Elle était jolie quand même. Cette coquille de noix me donne une idée. Ouais, ça pourrait fonctionner. Prends une coquille de noix. Peins l'intérieur de la coquille d'une couleur dorée. Ensuite, peins l'extérieur de la coquille d'un vernis transparent. Recouvre bien toute la coquille. Fais pareil avec l'autre moitié. Ensuite, place la bague dans une des coquilles. Referme avec l'autre moitié. Ferme bien la coquille à l'aide d'un ruban. Hé, Père Noël, testez ce cadeau. Ouvrez-le. Si c'est une voix à l'intérieur, je serais déçue. Dis donc, avec ça, tu remontes sur le podium de mes nains préférés. Oh, Père Noël, merci. Ho, ho, ho. Compter mon argent est mon passe-temps préféré. Attends, il y a un coup de froid ou quoi? Brrr. Le feu ne suffit pas vraiment pour me tenir au chaud. Je sais, il faut juste que je ravive un peu le feu. Ça devrait suffire. C'est beaucoup mieux. Il fait si froid. Je ne sens plus mes orteils. Oh, regarde ça. J'ai déjà plus chaud. Oh, bon, ça n'a pas duré longtemps. Fais quelque chose. Peut-être que ça va marcher si je donne un coup dedans comme dans les films. Non, j'ai tenté. Super, je suis en train de me transformer en glaçon, là. Il doit bien y avoir quelque chose à faire. Ah ah, je sais. Un petit coup de marteau ici. J'ai réussi. Oh, je me réchauffe. T'as fait quoi? J'ai juste un peu réparé la télé. T'en penses quoi? Incroyable, j'adore. T'es génial. Arrête, tu me fais rougir. Oh, tu es chaude. Ho, ho, ho! Un autre cadeau!
Oui, Père Noël, je suis ravie que vous soyez là. Je veux un autre poney et quelqu'un pour tout nettoyer après son passage. Je vais y aller. J'ai une nuit chargée. Hein? Arrêtez-vous tout de suite, Père Noël. Vous avez une idée du nombre de cadeaux qu'il me reste à livrer? Vous avez entendu la dame. Vous seriez mieux de commencer à prendre des notes, sinon... Donc, comme je disais, un poney, un garçon d'écurie, une voiture, un téléphone, un majordome. Il me faut un nouveau bateau. Papa ne veut pas que j'emprunte le sien. Un chiot, d'autres diamants. D'autres diamants? Et je crois que c'est tout. C'est tout? Vous êtes sûr de n'avoir rien oublié? Je dois y aller. Pas si vite. Oh, allez! Non, mais j'ai une liste, moi aussi. Elle n'est pas longue. J'aimerais une nouvelle paire de lunettes de soleil. C'est tout? C'est la goutte d'eau. L'année prochaine, je pars en vacances pour Noël. C'est la dernière maison. Quelle nuit! Phew! Père Noël a besoin de faire plus de sport. Oh, bonjour! Des biscuits et du lait? Mon goûter préféré! Ça a l'air délicieux. Aïe! Ma dent! Je ne peux pas manger ça! Au moins, il y a du lait. Ça donne soif d'être le Père Noël. Oh! Pas le meilleur! Oh! Mon ventre! Ce n'est pas bon! Oh! Père Noël doit aller aux toilettes! Je suis tout endormie! Hé! Père Noël est passé par là! C'est quoi tout ce bruit? Regarde! Waouh! Des cadeaux! On va voir ce qu'on a! Dis donc, il y en a tellement! C'est le meilleur des Noëls! Je sens qu'on va bien s'amuser! C'est un rêve qui devient réalité! J'ai mis des mois à confectionner cette robe! Elle est unique! Mais pas dans le bon sens! Je suis super stressée! Imagine s'il n'aime pas ma robe! Attention, j'arrive! Ça va envoyer! Alors ça dit quoi? Oula! On avait dit robe de Noël, chérie! C'est horrible! Sérieusement? Vous n'y connaissez rien à la street fashion! Oh, c'est dur! Bouge de là! Hé! Ma robe! Tu l'as tachée! Je ne peux pas y aller comme ça! À moins que... ce sapin puisse peut-être me servir! Je vais me transformer! Dis donc, c'est encore mieux que ce que j'imaginais! C'est mon moment! Merveilleuse, chérie! Ma robe est inspirée d'un simple sapin de Noël! Oh ça, c'est à toi! On n'a pas besoin d'en voir plus! Merci! Je voulais remercier mes parents et notre chien Bingo! J'adore Noël! C'est si excitant! Des cadeaux! Ok, grande inspiration, c'est pour toi! Tu es trop mignon! Oh, très drôle! Un porte-clés, pile ce dont j'avais besoin! Ha! Tu t'attendais vraiment à un beau cadeau? Bon, à moi! Joyeux Noël! Donne-moi ça! Une décoration de Noël? Sympa! Je peux faire mieux que ça! Ce sont les derniers! Profites-en! C'est peut-être un autre porte-clés? Ouvre et tu verras! Mais non! Un iPad? Tu n'aurais pas dû! C'est trop! Je peux avoir le mien? Tiens! Oh! Un pull? Il est sympa, non? Il ne te plaît pas? Oh! Il est très beau! Mais bon, ce n'est pas un iPad! C'est l'intention qui compte! Tiens! Reprends-le! Non, attends! Je l'adore! Reviens! Je pense savoir comment améliorer les choses. Prends le pull de Noël et pose un dessin d'âtre de cheminée dessus. Ensuite, ajoute une feuille de papier, transfère et passe un coup de fer à repasser sur la cheminée. Découpe un bout du pull à l'avant, comme ça. Retourne le pull et dispose un bout de tissu noir sur le pull. Mets de la colle aux extrémités du tissu, sauf sur un côté. Il faut que le côté sans colle soit en haut pour créer une poche. Appuie bien pour que ça colle correctement. Glisse l'iPad dans la poche en tissu. Un beau pull cheminée! C'est incroyable! Oh, elle revient! Reste cool! Tu veux voir un truc sympa? Tada! Mais non! Comment tu as fait ça? Pas mal, non? Ça réchauffe! Merci pour le pull! Allez! Ouais!
Cette guirlande est toute emmêlée, mais le sapin est très beau. J'adore l'étoile. Il faut que je démêle tout ça. Ce n'est pas évident. Oh, tu ne peux pas arrêter de jouer et venir m'aider? Quoi? Non! Quel égoïste! Oh, je ne fais qu'empirer la situation! Non! Je tombe! Hein? Qu'est-ce qui vient de se passer? Tout va bien! Tu n'as rien vu! Non! C'est une catastrophe! L'étoile est cassée! Pourquoi tu as fait ça? Moi? J'avais besoin d'aide! Désolée, je suis là maintenant! Pauvre étoile, elle n'avait rien demandé! Oh, mon verre! Je peux m'en servir pour tout réparer! Mets des pailles dans le verre! Entoure-les d'un lien de serrage et serre-le bien! Continue de serrer jusqu'à ce que les pailles se plient dans tous les sens. Peins les pailles pour qu'elles aient un look plus festif. Il ne reste plus qu'à les mettre en haut du sapin. Parfait! Oh! Le sapin! Regarde, j'ai fabriqué une étoile. Il manque quelque chose. De la lumière! C'est mieux comme ça. Un peu plus à droite. Et là. Par là. Bonjour. Salut, mamie. Tu veux un smoothie? Oh non, ça va, merci. Oh non, ma fleur. Ça fait des années que je prends soin d'elle. Tout va bien, mamie? Oh, elle adorait cette plante. Je peux peut-être faire quelque chose avec cette feuille. Oui! Déchire des bouts de papier et mets-les dans un mixeur. Ensuite, ajoute des graines de fleurs. Verse un peu d'eau. Allume le mixeur et lance-le un coup. Arrête quand tu obtiens une pâte à papier. Presse pour enlever l'eau et dépose la pâte sur du papier cuisson. Étale-la bien jusqu'à ce qu'elle soit assez fine et recouvre-la d'un torchon. Quand la pâte est sèche, enlève le torchon. Plie-la délicatement et décore-la, comme ça. On était si heureuses ensemble. On était jeunes et innocentes. Oh, pourquoi? Mamie, j'ai quelque chose pour toi. Quelle jolie carte avec un beau pot de fleurs. Ce n'est pas tout, je vais te montrer. Je vais déchirer ce coin et le planter dans le pot. Je l'arrose un peu. Je pense que le deuil l'a rendue folle. Joyeux Noël! Merci, ma chérie. C'est un très beau cadeau. C'est très joli. Encore des cadeaux, madame. Il lui faut combien de cadeaux? J'ai mal au dos à force de porter tout ça. Oh, je vais ouvrir celui-là après. Je me demande ce que c'est. Un iPhone doré. Mais je voulais l'iPhone avec des diamants. Oh, c'est nul. Non, c'est tout doux. Ça, j'aime bien. Un beau bonhomme de pain d'épices, rien que pour moi. Il est mignon et délicieux. Je vais le savourer. Tu aimes le lait, monsieur le bonhomme de pain d'épices? Il faut que je me réchauffe. Il fait super froid. Ah, ça fait du bien. Mon bonhomme de pain d'épices! Tu l'as cassé! Non! Oula! Tranquille, ma fille. C'était un accident. Regarde-le! Il n'a plus de tête! Hé, je vais réparer ça. Reste là, d'accord? Prends un gant et déchire-le comme ça. Ensuite, remplis le gant de coton. Pousse bien le coton à l'intérieur du gant. Coule le gant pour le refermer. On y est presque. Ajoute quelques détails pour obtenir un bonhomme de pain d'épices. Il ne reste plus qu'à le faire sourire. Parfait, il a l'air heureux. Écoute, je suis désolée pour ton bonhomme de pain d'épices. Mais j'ai ça pour m'excuser. Comment tu le trouves? C'est pour toi. C'est vrai? Pour moi? Ouah, merci! Merci beaucoup, je l'adore. Oh tiens, tu peux prendre ça. Quoi? Pour moi? Ça, c'est une affaire. Un bon bonhomme de pain d'épices. Waouh! Des chaussettes! C'est tout? Je n'ai pas besoin de ça. Oh, trop banal. Un jeu de clés? Mais pourquoi?
La lune? Génial! Pile ce dont je rêvais! Je me demande si elle fonctionne. Mes copains vont être trop jaloux. Des chaussettes! Trop bien! C'est super excitant! Merci Père Noël! Une rose? J'ai de la chance. Oh, la bleue est jolie aussi. Je sais quoi faire. Je suis bien là. Je suis la fille la plus chanceuse au monde. Oh, salut! Salut! Bisous en l'air! Oh mon Dieu! C'est quoi ça? Tu as compris que c'était Noël? Enfin, où sont tes décos? Je ne vois pas... Je ne vois même pas de bonnet de Noël. Oh, je savais que j'avais oublié quelque chose. J'ai ça. Ça va, non? Waouh! Ça, c'est sûr que c'est festif. Mais ton sapin fait de la peine. Mais non, ce n'est pas si grave. Je ne le sens pas. Tu te moques de moi? D'accord. Il manque encore quelque chose. Voilà. Ça, c'est un beau sapin. Enfin! L'argent résout tous les problèmes. Où sont les images? J'ai les décorations. Génial! On peut décorer le sapin? Ah! Il a déjà connu une meilleure forme. Ne t'inquiète pas, je sais quoi faire. Ajoute un ruban et... Aïe! Non! C'est joli, mais comment on va faire le ménage? Tada! Non, ça ne va pas le faire. J'ai fait un joli sapin, mais si tu le dis... Tiens, prends ça. Attends une minute. J'ai une super idée. Donne-moi une minute. Prends une bouteille de soda vide. C'est mieux si elle est verte. Découpe le bas de la bouteille à l'aide de ciseaux. Découpe la bouteille dans la longueur. Fais la même chose sur toute la bouteille. Ensuite, ouvre les bandelettes, comme ça. À l'aide d'une bougie, chauffe le plastique pour faire fondre les extrémités. Ça va ressembler à ça à la fin. Glisse-le sur un bâton, ajoute d'autres bouteilles et tu obtiens un sapin de Noël. Regarde ça! Incroyable, on a un sapin! Il est superbe! Je l'adore! Et il ne fait pas mal si on le touche! Satané cactus, bien joué! Il manque quelque chose à ce repas de Noël. Maman! Nourriture! Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas la même chose. Ça a l'air d'être une mission pour le Père Noël. Je m'en moque que ce soit Noël. Je veux que ce soit fait tout de suite. Attendez, il se passe quelque chose. Hein? Maman! Regarde cette nourriture. C'est un miracle de Noël. Je suis trop contente que tu sois là. Délicieux! Joyeux Noël, ma chérie. Ho, ho, ho! Père Noël a un petit jeu pour toi. Je vais mettre ça là. Je mélange. Dans quelle chaussette est le cadeau? Joyeux Noël! J'adore peindre. C'est hyper relaxant. Je vais mettre un peu de rose. Ça sera parfait. Oh, j'ai un message. Voyons voir. Oh, une rainbow party. Ça va être génial. Je dois trouver une tenue appropriée. Oups, ma peinture. Alors, garde-robe, qu'est-ce que tu as pour moi? Je n'ai rien de suffisamment coloré là-dedans. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? C'est une soirée arc-en-ciel. Oh, je sais, mes peintures. J'en ai de toutes les couleurs. C'est la solution. Je suis un génie. Allez, faisons un peu de magie. Il me faut de la peinture et quelques pinceaux. Je vais prendre deux couleurs à la fois et je les applique sur mes yeux. Je change de couleur et je fais le dessous de l'œil. Génial! Mais c'est une rainbow party! Il me faut plus de couleurs! Ce pinceau plus large fera l'affaire. J'ai mis trois couleurs sur un même pinceau. Allons-y! Direct sur les lèvres! Et maintenant, prenons ce mascara vert. Parfait pour colorer mes cils! Oh, je sais! Je vais continuer avec les sourcils. En orange. Je peux même les redessiner si je veux. Ça avance bien. Continuons. On y est presque. Et voilà. Il manque juste une dernière touche.
Oh là là, ces taches de rousseur bleue sont géniales! J'aimerais tant les voir tout le temps! Et mon maquillage arc-en-ciel est terminé! Hein? Qu'est-ce que c'est que toutes ces lumières? Oh, c'est la rainbow party! Trop bien! Waouh! Ton maquillage est génial! Tu l'as fait toute seule? C'est superbe! Excellent choix pour une soirée arc-en-ciel! Allô? T'es où? Tu fais quoi? Je suis désolée, je suis en chemin! Oh non! Ils sont tous habillés en couleur! Je suis tout blanc! Ils ne me laisseront jamais entrer! Oh non! Ça ne va pas le faire! Hé! C'est toi là-bas? Tu me vois? Je dois trouver quelque chose! Vite! Où est-ce que je peux me cacher? Dans cette poubelle? Ça craint! Mais j'ai rien trouvé de mieux! Allez hop! Dans la poubelle! J'ai dû me tromper. Ouf! C'était moins une! Elle a failli me griller! Burk, c'est dégoûtant ici! Qu'est-ce que c'est? Ah! Ma carrière d'artiste est définitivement terminée! Hein? Qu'est-ce que c'est? Des paillettes! Ok, j'ai un plateau, il me suffit de verser des paillettes dedans. Ce rouge est parfait, je vais en faire une ligne. Ensuite, je prends du jaune, je verse tout. Oh, ce vert est pas mal du tout! Et les autres couleurs aussi! Maintenant, je pose ma main sur les paillettes. Oh, regardez ça! C'est super joli! Très bien, sortons de la poubelle. Et maintenant, mes mains... Ouais! Les lunettes fantasy compléteront parfaitement mon look. Je peux y aller! Je suis déjà bien en retard. Bébé! Désolée de t'avoir fait attendre! J'arrive pas à croire que tu m'aies plantée comme ça! Ouais, mais regarde mon t-shirt! Il est pas top! Waouh! C'est toi qui l'as fait? Je suis impressionnée! On est prêt pour aller faire la fête! Laissez-moi jeter un coup d'œil. Vous pouvez y aller. Que ça te plaise ou non, nous sommes au beau milieu de la période des fêtes. C'est donc le moment de passer du temps avec tes proches, d'échanger des cadeaux et faire preuve de créativité. Et juste quand tu pensais être à l'apogée de tes vacances, nous allons te montrer des trucs et astuces géniaux pour rendre ces fêtes de fin d'année plus palpitantes que jamais. L'une des manières les plus simples de répandre la joie des fêtes est d'orner ta porte d'entrée d'une jolie couronne. Oh, c'est super joli, Sophia! Rien de tel que la magie de Noël pour se remonter le moral. Mais lorsqu'il s'agit de décorations extérieures, il faut penser à renforcer le moindre détail. Mince, monsieur le facteur! Vous pourriez quand même être un peu plus délicat, non? Oh non! Mais que fait cette couronne par terre? Elle est cassée en plus! Ce sont des choses qui arrivent après tout. Mais ça va briser le cœur de Sophia. Je suis désolée, ma chérie, mais ta couronne n'est plus. Non, ne dis pas ça, Amy! C'est le pire Noël de ma vie! Hé, passe-moi ce cintre, j'ai une idée. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de quelques bonnes vieilles boules et d'un peu d'imagination. Prends un cintre en fer et étire-le comme ceci. Essaye de tordre les bords pour qu'il soit le plus rond possible. Si tu y vas petit à petit, tu devrais y arriver. Voilà! Ensuite, défais le crochet. Prends les boules de ton choix et accroche-les sur le fil de fer. Tu peux utiliser autant de décorations différentes que tu le souhaites. Le tout est de garnir toute la couronne. Pense bien à faire glisser tes décos jusqu'au bout afin de laisser de la place pour les autres. Regarde comme elle est belle! N'oublie pas d'ajouter un petit nœud pour la touche finale. Tada! Tu vois, elle est réparée. Je crois même que je la trouve encore plus belle que l'original. Allons l'accrocher dehors. Et comme elle a un crochet, elle peut se suspendre directement au heurtoir. Le facteur ne risque plus de la faire tomber maintenant. Ça y est, le dernier cadeau est officiellement emballé et prêt à offrir. Pouf! Tout cet emballage m'a donné faim. Et un peu de caféine serait la bienvenue. Oh, c'est Sophia qui appelle. Salut meuf, ça va? Amy, il ne manque que toi à la fête, t'es où? Je décolle dans 5 minutes, ok? J'ai été tellement occupée à emballer les cadeaux que j'ai totalement oublié de me préparer pour la soirée. Je me demande si ces boules de Noël seraient aussi belles dans mes cheveux que sur le sapin.
Oh yeah, je crois que ça va vraiment devenir intéressant. Tu recherches une coiffure amusante pour les fêtes? Commence par te mettre une bouteille de coca sur la tête et recouvre-la avec tes cheveux comme ceci. Le but est de cacher complètement la bouteille. Attache ensuite tes cheveux avec un élastique. Décore alors ton sapin de cheveux avec une guirlande scintillante en fil de fer comme celle-ci. Pile-la comme il faut pour qu'elle s'enroule correctement autour de tes cheveux. Passe ensuite aux décorations, accroche des boules de Noël à des pinces à cheveux, puis enfonce-les dans ta chevelure. Tu peux en mettre autant que tu le souhaites. Ça va, Amy. Si tu mets encore une boule, tu vas tomber. Et en guise de touche finale, accroche un joli petit nœud en haut de ton sapin. Assure-toi juste que tout soit bien fixé. Tu es superbe, Amy. Mais il te manque juste un petit détail. Des boucles dorées assorties feront l'affaire. Et voilà, tu es prête. Il y a quelque chose de magique à passer du temps à la maison pendant les fêtes. C'est le moment idéal pour se perdre dans un bon livre. Mais pour ça, faut-il encore avoir des ampoules qui fonctionnent? Voyons voir. On dirait que cette ampoule ne verra pas la nouvelle année. Ouais, elle est fichue. Hein? À la poubelle? Non, sauvez cette ampoule! Pouh, cette ampoule peut encore servir, surtout pendant les fêtes de Noël. Sache que tu peux transformer une ampoule grillée en superbe décoration. Commence par enrouler un gros ruban rouge autour, comme ça. Ensuite, prends une rondelle de carton comme celle-ci et enfile-la sur la douille de l'ampoule. Parfait. Dessine ensuite de petits yeux avec un feutre directement sur le verre. Ça commence à te parler? Yeah! C'est un mini bonhomme de neige! Tu vois, il est super mignon! Waouh! Et dire que j'allais jeter ce petit bonhomme! Comme quoi? Les ordures des uns font le bonhomme de neige des autres! Waouh! Qu'est-ce que c'est que tout ça? Oh, il y a un message! Sophia fait des cupcakes, Amy. On dirait que Netflix va devoir attendre. Je vais devoir jouer les cordons bleus. Mieux vaut me protéger avec ce joli tablier. C'est parti. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici? Il y a des œufs, de l'huile, un saladier. Je ne suis pas du genre à suivre les recettes, donc je vais mettre une bonne dose de sucre brun. Passons aux œufs. Et pour donner un peu plus d'action, je vais les casser comme ceci. Parfait. Ok, je ferai mieux de mélanger tout ça. Je crois qu'il manque quelque chose en plus. Des pépites colorées. Une pincée. Boum! Ok, et ensuite? Je sais, pourquoi je ne mélangerai pas ensemble les deux choses que je préfère? Ça va être top! Ouvre une boule transparente et pulvérise l'intérieur de laque à cheveux. N'aie pas peur d'en mettre trop. Prends des pépites colorées et verse-en une bonne quantité. Essaye d'en coller le plus possible sur le plastique. Tu peux ensuite faire tourner la boule pour que les pépites se collent bien partout. Continue jusqu'à ce que la totalité de la surface intérieure de la boule soit recouverte. Fais exactement la même chose sur l'autre moitié. Joins les deux parties ensemble et attache-les avec un joli ruban coloré. Laisse juste un peu d'espace sous le nœud afin de pouvoir suspendre la boule. Et voilà! Elle est magnifique cette boule, non? Sophia, qu'est-ce qui s'est passé ici? Où sont les cupcakes que je t'avais demandé de faire? Je ne sais pas, mais regarde cette jolie boule de Noël! Laisse-moi la place, Sophia. Je vais m'en occuper. Pendant qu'Amy prépare ses gâteaux, je vais accrocher ma boule de Noël dans le sapin. Éclatante! Tu ne trouves pas? Waouh! Regarde comme le sapin rayonne cette année! Oh, tout paraît soudainement si fade dans la maison. Pas de guirlande, pas de couleurs. C'est trop triste. Je crois que je vais faire d'autres décorations. Heureusement que j'ai gardé toutes les décos de l'année dernière dans cette valise. Waouh, qu'est-ce que c'est lourd! Pouh, ouvrons ça et voyons ce qu'on a. Oh, c'est comme si le monstre de Noël avait vomi ici. Alors, on a une guirlande, une bougie géante, une serviette de Noël... Oh, je sais exactement ce que je vais faire avec tous ces vieux trucs.
Si tu as des serviettes en papier décoré comme celle-ci, déplie-en une et retire délicatement la couche dessus. Fais bien attention à ne pas la déchirer. Ensuite, dépose la serviette sur une table, côté imprimé, au-dessus. Prends une grosse bougie et enroule-la dans le tissu. Ensuite, utilise un sèche-cheveux pour souffler de l'air chaud par-dessus. Continue pendant quelques minutes. Waouh ! Le dessin commence à s'intégrer dans la cire fondue. Et en arrière-temps, tu auras une bougie de Noël faite maison. Ça te permettra de mettre de la magie de Noël dans toutes tes pièces pendant la période des fêtes. Recommence avec d'autres serviettes aux motifs différents pour te faire une jolie collection de bougies. En vacances, il y a deux sortes de personnes. Il y a celles comme Sophia, qui se plie en quatre pour donner à la maison un air de fête. Et il y a celles comme Amy, qui préfère se poser, profiter de cette période, pour se détendre et évacuer le stress. Je suis épuisée par tout ce nettoyage et cette décoration. Amy, tu es vraiment restée sur ton téléphone tout ce temps? Parfois, quand on veut que les choses se fassent, il faut tout simplement savoir déléguer. J'espère que tu regardais les idées de décoration de table sur Instagram, parce que c'est toi qui t'y colle. Oh, pourquoi elle est toujours aussi dramatique? Mettre la table ne prend pas autant de temps que ça. Il y a juste à mettre ce qu'on va utiliser dessus, comme ça. Et c'est tout. Maintenant, revenons aux choses sérieuses. Amy, est-ce que tu essayes de me tuer? Je sais, ça a l'air génial, non? Maintenant, regarde bien, car je vais te donner une leçon de décoration de table. Pose une serviette en tissu à plat sur une table, comme ceci. Plie-la en quatre et tourne-la pour qu'elle ait l'air d'un losange. Saisis la première couche du coin supérieur et plie-la vers le bas en t'arrêtant au milieu. Recommence avec les autres couches en les pliant à chaque fois un peu plus courtes. Ensuite, retourne la serviette et plie chaque côté vers le bas de manière à obtenir une forme de triangle. Borde ensuite chaque coin dans le pli situé au-dessus. Ça commence à ressembler à quelque chose de familier, n'est-ce pas? Oui, tu as obtenu une serviette en forme de sapin de Noël. C'est pas trop mignon? Tu peux même ajouter une petite brindille sur le fond. Et quelques fruits rouges feront office de boule. N'oublie pas l'étoile au sommet. Maintenant, la table est vraiment prête pour un repas de fête. Tu vois, Amy, c'est comme ça qu'on fait. Waouh, je suis vraiment impressionnée, Sophia. Et quand est-ce que tous les délicieux plats que tu nous as cuisinés seront prêts ?